Salut les gars, c'est Nico de Spy Fishing. Je suis avec Denis aujourd'hui, des frères mouches. Voilà, petit séjour de 4 jours en Catalogne avec le papa. C'est le cadeau d'anniversaire, donc on va se régaler. On est venu pour pratiquer et taquiner la truite. On espère en faire quelques-unes. On va apprendre des techniques grâce à Denis et à Jean-Marc. Voilà, on va passer 4 jours. J'espère qu'on va faire du poisson. Et on va commencer à la nymphe aujourd'hui avec une nymphe sur le bas de la ligne. Et une seconde en potence, une trentaine de centimètres au-dessus à peu près. Voilà, donc on va apprendre ça, on va apprendre la technique, on va essayer de la peaufiner et se l'approprier. Allez, c'est parti. Oh, dommage. T'as vu ? Ouais, j'ai vu. On va aller là-bas. Beaucoup d'oeil, là-bas. Sur les premiers lancers, déjà une ratée. Ouais, tu suis toute la faille. Voilà, exactement. Tu prends la veine, là, et... Ouais, c'est sensible, hein. J'ai senti la touche, c'est que la feuille. Hein. Tu sens le truc. Alors, au top, quand si tu as pêché au top, tu as tendance à tenir le fil comme ça. Oui. Là, tu ne vas pas sentir le fil. D'accord. Tu vas te faire avoir. Donc, le but, c'est de tenir le fil ici, dans le prolongement. Et là, tu es en direct. Oh, premier lancé quoi. Oui. Tu le crois toi? Oui. Au premier lancé les gars, c'est pas beau ça? C'est super. Putain, incroyable. T'as filmé? J'ai joué, oui. Génial. J'ai filmé le premier lancé, mais génial. Voilà. Je m'y attendais pas du tout. Tu la décroches ou tu le fais? Je vais le faire, attends, on va le faire tranquille. Bon ben les gars. Au moins j'aurai pas de frustration à attendre de faire la première sur le premier lancer. Ça fait plaisir. Hop là. Et bébé, elle est repartie toute seule. C'est la 40 qu'il faut maintenant. Maintenant il faut monter à 40 cm. Il y a quelques gros poissons ici. Bon, on verra déjà en faire des petites. Je sais qu'il y en a quelques bonnes. Ah purée, je suis content déjà de commencer comme ça. J'ai cru avoir senti un truc mais. J'ai l'impression de sentir des trucs, mais je suis pas sûr. C'est peut-être des cailloux. Des cailloux comme ça. Ok, je comprends le concept de accompagner. Faut que j'arrête avec le fil, par contre, comme tu m'as dit. Elles attaquent à la tombée, à la nymphe un peu des fois. Oui. Ah, comme mieux. Tu verras sur les coups un peu plus. Large, lisse, à la remontée, c'est-à-dire que tu mets, tu les fais pêcher profond jusqu'à 2 mètres au fond, et en bout de dérive, tu retiens légèrement, tu relâches un peu, tu retiens légèrement, et là, ça les fait remonter comme ça, là. Tu as souvent les attaques à ce moment-là. Peut-être que je m'enlève de là. Je l'ai pas filmé, je t'ai raté l'action, mais c'est pas grave, tu l'as. Allez, je viens de la filmer pour la montrer à l'épuisette. J'étais en train de traverser, les gars. J'ai dit Denis là, derrière le rocher, il m'a dit ça sent bon. J'ai dit ben fais-le toi le coup. Juste là, là. Allez, on va la regarder en vidéo et la relâcher. Voilà. Elle est toute belle. Un petit poisson. Allez. Bravo. Allez, repart ma grande. Elle est pas partie loin. Elle est sous mon pied là. On va démarrer. Hop.
Elle s'est planquée. Elle est juste là. D'accord. Hop là. Ça y est. Bon, Denis, je me laisse pas faire, ce coup-ci c'est moi. Ah, au milieu. C'était Saint-Pierre. Oh, quoi. Voilà, c'est moi qui ai fait la connerie. Attends, je vais avancer, moi. Attends, je te ramène la canne, toi. Allez, hop. Dans les puisettes. Ouais, jeune homme. Ah, t'as essayé de décrocher toute seule, c'est impeccable. Et celle-là, tu as vu, sur la pointe. Sur la pointe. Ok. Elle s'est prise sur la pointe. Hop. Tout est décroché, impeccable. Tac. On mouille les mains. Ouais, ça ne me dérangeait pas sinon. Tac. Elle était énervée. Hein. Ah ouais. J'ai pas filmé l'action au départ parce que. La Garonne. Très joli. Allez. Hop. Hop là, elle est nerveuse elle. Bien joué. Bien. Merci Denis. Ah, le trou est beau, je suis sûr qu'il y en a encore dessous là-bas. Oui, c'est sûr. On va le tenter encore. Allez, on vient d'en faire une là. Ce serait bien d'en faire une seconde. Hop là, ça serait mieux de faire un meilleur lancer. Allez, oh! J'ai une touche. Elle était juste là. Ça y est, je commence à comprendre quand on les sent. Comment il faut tenir là. Le fait que. Ouais, là c'est impeccable. Hop, putain, j'en ai encore une là. Nico, ce serait bien que tu l'attrapes par contre. Et c'est vrai que. Faut être vif parce que. Tu sens la touche. Comme tu la sens, si tu n'as pas le fil tendu, ben. Ouais, ouais, elle l'avale pas. D'ailleurs, elles sont piquées au bout des lèvres. Hein. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Ouais, ouais, ouais. Ouais, elle se bat. Elle est déjà un peu plus jolie. Oh, qu'elle se décroche pas, toi. Oh, là, c'est bien. Allez. Impeccable ça. Oh, elle est jolie, elle a frappé celle-là. Impeccable. Très belle. Bien joué, l'ami. Bien joué. Superbe. Le coup, il est bon là. Superbe. Oh, elle est belle. Okay. On va la décrocher. Ah, elle s'est décrochée encore. Elle est décrochée, ouais. Attends, on va défaire les. On va défaire Les nymphes. Les nymphes pour pas les emmêler dedans. Ben voilà, c'est fait direct. Et celle-là, voilà. Avant de la manipuler, on mouille la main. Toujours. Hop, elle est jolie celle-là. Je te prends la canne pour que tu puisses filmer comme il faut. Tu veux que je prenne avec la. Tu vois. Voilà. Voilà. T'arrives à. C'est bon. Bon, bon. On la voit bien là. Elle est belle. Elle est superbe. Elle est belle. Allez. Une poisson de la Garonne. Et elle repart, ma grande. Merci. Hop là, putain, elles sont vives. Hein. Celles-là, elles ont de l'énergie hein, par rapport à tout à l'heure en bas. Excellent. Super. Excellent. Super. Bon, les gars, avec Denis, on a dit qu'on allait mettre une tente juste devant là. Que c'est pas la peine de faire plus loin que la rivière ici. Hein. Il y a tout ce qu'il faut déjà là. Hop là, raté. Putain. J'ai accroché. Sur la touche, elle était juste devant là. Là, regardez. Ce serait pas beau que je l'attrape comme ça? Ah. J'en ai raté une. Ah, on pêche assis, nous. T'as vu comment il pêche à la conne? Hein? T'as vu comment il pêche à la conne? Ouais.
plane haute, haute, mais vraiment haute. Je veux accompagner, il faut que je la canne haute. Tu vois? Ouais. T'as la canne trop basse. D'accord. Après, on me dit que la pêche, c'est pas du sport, non? Bon, les gars, on vient sur le coup du soir. Donc, on est toujours sur le premier jour. Et il y a Jean-Marc devant moi. Derrière, il y a mon père avec Denis. Et on va tenter un coup du soir à la mouche. Donc, c'est ma première à la mouche. C'est la première à mon père aussi. Et regardez Denis en mode discrétion complète. Le coin est superbe. Voilà. On va tenter peut-être la première truite à la mouche. Approche discrète. La veine qu'on a devant, elle est superbe. On longe tout le bord là. Normalement, il y a du poisson là. Comment tu choisis ta mouche? Écoute, je connais le site et je sais qu'en cette saison, ce qui marche très très bien, c'est des mouches à corps jaune, comme celle-ci. Voilà. Donc celle-ci, elle me plaît bien. Voilà, on va mettre celle-là. Elle est bien fournie, tu vois. Bien fournie. C'est vraiment visible de nuit. Mon père et Denis pêchent une vingtaine, trentaine de mètres en dessous. Voilà, on est sur la même faille et on a vu des truites sauter déjà. Donc on espère pouvoir en faire une au moins. Au moins une? Et... une petite boulette. De graisse? De graisse. De canard. Venant tout droit. Du Gers, du Souest, je rigole. Hein. Mais restons local. Soyons occitans et fiers d'être occitans. Même si j'imagine déjà, explique-moi pourquoi on met la graisse sur la soie. Pour que la soie flotte, qu'elle ne coule pas. Parce que si le fil coule, ça va entraîner la mouche. Parce que si le fil est graissé, ça va permettre de maintenir la mouche en surface. Donc tu graisses le fil. Voilà. Par contre, je le graisse. Jusqu'à ce niveau, tu vois. Mais je laisse au moins un mètre sans graisse. D'accord. Parce que la graisse dans l'eau, ça se voit. Eh oui. Ouais, j'avais vu aller se mettre en place là-bas. Elle est montée. 54. T'as donné l'épisode 54. Allez. T'as vu quoi, c'est beau. C'est magnifique. T'as vu cette chasse? Je l'ai vu se positionner, voilà. Je t'ai dit... elle est montée en surface, elle attendait, tu voyais qu'elle guettait. Il n'y a plus de mouche. Elle s'est décrochée déjà. Merci. Allez, repas ma grande. Allez, bébé. Allez. Hop. Oh, bébé. Bien joué. Voilà, c'est ça qui est la mouche. C'est, tu vois, bam, bim. C'est la chasse.
Tu vois plus la mouche? Si, si, je la vois. Il y a une mouche plus grosse. Hein. Non, je la vois. Ça, j'étais pas mal là. La traversée de la rivière nocturne. Si j'en marque pas, on passe tous, donc c'est bon. Moi, je suis pas sûr là. Mais si. Non. Allez. De ton côté, là-bas, je vois qu'il y a des... Les gars, hop, démontage de cam. Je sais pas si on me voit. Premier jour qui s'achève. Première vidéo avec. Je ferai vidéo une par jour, je pense, parce qu'il y aura du contenu à chaque fois. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant toutes ces journées, donc on va essayer d'en profiter au maximum. Donc je vous dis ciao en espérant que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire. Allez, ciao à tous. C'est l'histoire de la souplesse. C'est un mouvement, c'est technique. Oui, et lui, je suis un bourrin. Donc, demande à ton papa, quand il a pigé le truc, pam pam, de suite la différence. J'ai vu qu'il faisait des gestes lents, ça faisait plus déroulé. On essaye. J'essaie le mal avec la veillée, si on est plus lent dans les mouvements, donc c'est naturel. Bon, c'est joli l'Espagne quand même. Ah, c'est beau. Ouais. Bon, on se cherche un petit restaurant. Maintenant, après la pêche, même si j'ai pas fait de pêche, j'ai pas pêché à la mouche, c'est pas grave. Maintenant, on va se rattraper au restaurant. Bon. Prochaine vidéo demain, je vous ai fait tout à l'heure le au revoir aussi, mais bon, c'était le petit bonus à la fin de la vidéo. Que comme quoi on parle tout le temps pêche, même quand on marche dans la rue, on continue à en parler. Ça s'arrête pas avec les frères mouches.